l'église va-t-elle traverser la grande euh, l'église va-t-elle traverser la grande tribulation ou pas et euh, donc euh, nous sommes dans jean chapitre 16 verset 33 jean chapitre 16 verset 33 je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi vous aurez des tribulations dans le monde mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. Yeshua et euh, mes amis étaient euh, euh, comment dire, à la veille, n'est-ce hein, pas, de euh, sa, et, euh, sa mort. Donc il était à la veille de sa mort. Et euh, nous voyons dans Matthieu, dans, dans, dans Jean 18, hein, donc verset 1er, lorsqu'il eut dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples, de l'autre côté du torrent de, du Cédron où s'est trouvé un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Donc, la veille de sa mort, Yeshua, n'est-ce pas, rassemble ses disciples et il les prépare, il commence à leur annoncer des choses qui vont arriver. Il leur dit qu'ils allaient avoir beaucoup, beaucoup, n'est-ce pas, dit-il, de tribulations. Vous aurez beaucoup de tribulations dans le monde. Et euh, donc, il y a les tribulations, n'est-ce pas, et aussi euh, la grande tribulation, c'est deux choses euh, différentes. Et euh, le peuple de Dieu, les saints, les chrétiens, les croyants, n'est-ce pas, ceux et celles qui mettent leur foi en Dieu, donc dans le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, ces personnes-là ont toujours été persécutées. Ces personnes ont toujours connu des tribulations. Et c'est notre lot. Et euh, le premier croyant à avoir connu des tribulations. Vous le savez, vous le connaissez, c'est euh, euh, Abel, notre, notre frère. Et euh, donc, des croyants, les croyants ont toujours été persécutés. Ils ont toujours connu les tribulations. Nous sommes dans Actes chapitre 14, le verset 22, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations. C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. C'est par beaucoup de tribulations. Donc voyez bien que euh, l'apôtre Paul n'a fait que relayer, n'est-ce pas, euh, la prophétie de Yeshua dans Jean 16, 33. Paul étant disciple de Yeshua, n'a fait que, n'est-ce pas, aller dans le même sens que le Seigneur et il rappelle aux saints, il rappelle aux disciples, n'est-ce pas, euh, de la Galaxie qu'il nous fallait passer par beaucoup de tribulations pour entrer dans le royaume des cieux. Et euh, donc, on a, les, les chrétiens ont toujours été persécutés. Les chrétiens ont toujours été, n'est-ce pas, et euh, 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 exécutés, tués, lapidés, tout ça. Nous sommes dans Philippiens. Et euh, Philippiens, chapitre 3. Non, 1 Thessalonicien, pardon. 1 Thessaloniciens, chapitre 3. Nous lirons à partir du verset 1 C'est pourquoi, impatients que nous étions et nous décidant à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée, notre frère, serviteur de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne soit ébranlé au milieu des tribulations présentes. Car vous savez vous-même, que nous sommes destinés à cela. Paul continue ici en disant aux saints, n'est-ce pas, de la Macédoine, aux Thessaloniciens précisément, qu'il qu ne fallait surtout pas qu'ils soient ébranlés face à l'adversité, la, à face à la persécution, face à des tribulations, face aux afflictions, car, leur disait-il, nous sommes destinés à cela. C'est incroyable, enfin, c'est terrible. Et donc, il est vraiment important que les chrétiens sachent, comprennent que nous sommes destinés à des tribulations. Paul ne parle pas d'une seule tribulation, il parle de plusieurs, de beaucoup de tribulations. Donc, il est important, il est nécessaire que les, 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 les chrétiens, notamment les nouveau-nés, sachent d'emblée, n'est-ce pas et euh, les personnes qui se convertissent nouvellement comprennent tout de suite qu'elles euh, qu auront affaire à des tribulations, qu'elles connaîtront euh, toutes sortes d'angoisses liées à la parole de Dieu, liées à la vérité qu'ils ont reçue. Il est important de le comprendre. Et les tribulations, les angoisses, les persécutions font partie de la croix. C'est ça la croix. C'est un des aspects de la croix. Et Yeshua disait qu'il nous fallait porter chaque jour notre croix. Donc vous voyez bien que les tribulations, mes amis, euh, il faut bien faire la part des choses entre les tribulations et la grande tribulation. N'est-ce pas Donc les tribulations ont toujours, n'est-ce pas, euh, euh, été là. Le peuple de Dieu a toujours été dans les tribulations. Nous avons parlé d'Abel. Nous avons vu comment et euh, les Hébreux ont vécu plusieurs tribulations en Égypte n'est-ce pas, pendant 430 ans à peu près, et euh, persécutés, maltraités, rejetés, à cause de leur foi dans le Dieu, bien sûr, euh, d'Abraham, à cause de l'espérance qu'ils avaient en Dieu. Et euh, on, a pu, on a vu aussi euh, 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 David, euh, comment il a vécu les tribulations, on a vu Daniel, après da David, et euh, Shadrach, Ab Meshach et Abednego, ces quatre hommes euh, euh, juifs vivants n'est-ce pas, à Babylone, on a vu comment ils ont été dans les angoisses, dans les tribulations, et euh, comment les, les Shadrach, Meshach et Abednego étaient passés, n'est-ce pas, et euh, jetés dans la fournaise ardente, et euh, à cause de leur foi, et on a vu Daniel, comment il, était, il est jeté, n'est-ce pas, dans la fosse aux lions, à cause de sa foi en Dieu. N'est-ce pas Donc, il y en a plein d'autres. Jérémie qui a été jeté dans, la, dans une citerne remplie de boue. Et euh, d'où, justement, son livre, Les Lamentations de Jérémie. Et euh, on a vu Ézéchiel euh, euh, qui était considéré, n'est-ce pas, déconsidéré par ses compatriotes au point de le traiter d'un habile chanteur. Et il euh, y en a plein, plein, plein. Aucun enfant de Dieu digne de ce nom, aucun prophète, aucune prophétesse, mes amis, que Dieu notre Père a appelé, n'est été épargné, n'est-ce pas, des de, de tribulations. Tous sont passés par là. Et quand on lit notamment Hébreu euh, 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 11, on décrit en fait la vie de ces hommes et ces femmes qui avaient foi en Dieu, qui avaient foi dans le Dieu euh, d'Abraham. Et euh, Hébreux 11 euh, décrit justement euh, la vie que ces hommes et ces femmes ont vécue. Il est dit, et, euh, et euh, verset 13, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, à Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi, il retrouva son fils, ce qui est une préfiguration. Et plus loin, on nous dit au verset et euh, euh, 35, des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées aux tourments et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection, d'autres subirent les moqueries et le fouet, d'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison, ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent, tués par l'épée, ils allèrent çà et là, vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvres, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et dans les montagnes, dans les cavernes et dans les antres de la terre. Voilà. Et on voit effectivement comment la plupart de ces hommes et ces femmes qui avaient foi en Dieu, mes amis, ont vécu des tribulations. Donc c'est normal. Et Yeshua le dit également dans Matthieu. Il dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Voilà. Donc, euh, le maître nous le dit, il parle à ses disciples. Il dit vous serez haïs de tous parce qu'à cause de ma parole, à cause de mon nom. Voilà. Donc, euh, et euh, les tribulations font partie, bien sûr, euh, font partie de notre lot, de notre vie. Et euh, voilà, il est euh, et euh, dit également dans et euh, Matthieu 10, et euh, vers, verset 23, 22 d'abord, Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Donc dès l'instant où on reçoit le nom de Dieu, le nom de Yeshua, hein, dès l'instant où, n'est-ce pas, on commence à vivre selon sa parole, parce que son nom d'après Apocalypse 19, 12 à 13, son nom est la parole de Dieu. Donc, lorsqu'une personne reçoit la vraie parole, la parole sainte, la parole de la sanctification, la parole qui élève Dieu, qui glorifie Dieu, l'évangile, tout simplement, de la croix, notamment, la mort et la résurrection de Yeshua, cet évangile-là, quand on le, on le reçoit pleinement dans son cœur, ben, selon le nom de Yeshua, parce que c'est sa parole, automatiquement, les hommes de ce monde vont commencer à avoir de la haine contre nous. Donc, c'est le lot de tous les chrétiens. C'est cela la croix aussi. Alors, voyez bien que euh, euh, nous sommes destinés à cela, n'est-ce pas Et, et euh, Yeshua parle également à l'église de Smyrne. Et euh, qu'est-ce qu'il dit à cette église Donc, je voudrais d'abord nous faire comprendre Bible à appui avec des passages à appui, n'est-ce pas, que les chrétiens sont destinés à la à des tribulations, à des persécutions, à des afflictions. Voilà, donc nous sommes dans Apocalypse chapitre 2, verset 10. Et euh, on peut même commencer à sortir du verset 9. Je connais ton affliction. Je connais ta tribulation. Donc vous voyez bien que euh, cette église-là connaissait des tribulations. Je connais ta tribulation et ta pauvreté bien que tu sois riche. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent des juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan, ne le crains pas. Ne crains pas que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de dix jours, mais soyez fidèles jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Donc, on voit bien que, frères et sœurs, Yeshua, mes amis, aurait pu délivrer cette église, mais il dit, oui, il va la délivrer, mais, et, et, mais, par rapport au péché, cette église a été délivrée, mais par rapport aux tribulations, aux persécutions, et, 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 occasionnées, orchestrées, je dirais plutôt, par le diable, Jésus-Christ dira, à cette église d'être fidèle jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Il dit, Satan jetera quelques-uns d'entre vous en prison. Donc nous voyons bien que, mes amis, et, euh, et, euh, Satan est derrière les tribulations, mais derrière le diable, bien sûr, il y a notre Dieu, et, et, et qui, bien sûr, euh, coordonne tout, ordonne tout, et euh, parce qu'il est le Tout-Puissant, il n'est pas surpris par les événements. Donc les tribulations, on en connaît, on en connaîtra d'autres, ceux qui nous ont précédés en ont connu. Paul, Pierre, Jacques, et Jean, et ceux qui les ont précédés, n'est-ce pas Je parle, mes amis, de des gens comme euh, 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 comme euh, Calvin, comme Luther, et euh, comme Simo Kimbango au Congo, et euh, comme plein d'autres, n'est-ce pas, euh, euh, ceux qui nous ont précédés, qui ont vécu toutes sortes de tribulations, n'est-ce hein, pas Et euh, de la part justement de religieux, de la part des hommes de ce monde. Donc, la tri les tribulations. C'est normal, ça fait partie de notre vie chrétienne. C'est cela la croix. Et Pierre nous dit que les tribulations aussi, notamment Jacques, sont aussi prévues par le Seigneur pour nous amener à la maturité, pour nous faire grandir. Voyez, regardez ce que Jacques nous dit dans Jacques 1, verset 2, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Voyez, donc. Euh, et euh, les tribulations sont aussi des épreuves, voilà. Donc Dieu nous éprouve comme ça pour nous euh, faire grandir. Et ensuite, dans et euh, il dit au verset 3, « sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien, voilà. Et nous sommes dans 1 Pierre chapitre et euh, chapitre chapitre 3 et euh, Et euh, chapitre 2 d'abord, 1 Pierre chapitre 2, il est dit au euh, vers, verset 19, car c'est une grâce de supporter les afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire, quelle gloire y a-t-il à, à supporter des mauvais traitements pour avoir commis des fautes mais si vous supportez les, la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Donc les tribulations auxquelles nous, fais, nous faisons face sont une grâce pour nous. Gloire à Dieu. Et ensuite, nous sommes dans un Pierre chapitre 3, au verset et euh, 18. Christ aussi a souffert une fois pour le les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Voilà, donc et euh, et au verset 17, il est dit, car il vaut mieux souffrir, c'est-à-dire l'aventure de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Donc les tribulations, c'est normal. Et 1 euh, oh, Pierre 4, 1. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Voilà. Donc l'apôtre la, euh, nous appelle à être à nous armer de cette même pensée. Donc il est important qu'après la conversion, le jour de ta conversion, mon frère, ma soeur, hein, que tu sois armé de cette pensée de souffrir. Pour ne pas être perturbé tout au long de ta marche chrétienne, il est important que tu sois armé, que tu sois préparé, qu'il y ait des enseignements euh, 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 de donner là-dessus, afin que tu comprennes que tu rentres dans, un, dans une armée, tu rentres dans une guerre, une guerre contre le péché, contre les démons, contre les religieux, contre la chair, hein, notre propre chair. Et ensuite, toujours dans 1 Pierre 4, euh, plus loin, il est dit et euh, et euh, toujours par rapport à la, à la tribulation, hein, donc, euh, verset 12. « Mais bien aimé, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve. » D'accord ?« Et euh, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse la, dans lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. » Voilà. Donc, euh, et euh, donc les souffrances liées à, à, à l'appel liées à au nom de Yeshua, à sa parole sont notre gloire nous dit le seigneur Et euh, voilà ainsi verset 19 que ceux qui souffrent selon la volonté de dieu remettent leur âme au fidèle créateur en faisant ce qui est bien voilà donc on a compris que les tribulations ont toujours été là hein, dès la chute bien sûr de l'homme hein, donc les tribulations euh, euh, ont commencé donc, il euh, y a la guerre entre les enfants de Dieu et les enfants du diable, les tribulations, bien sûr, et euh, jusqu'au retour du Mashiach. Maintenant, la grande tribulation, c'est quoi Voilà ce qui nous intéresse. Mais je voulais, voulais d'abord vous montrer que des tribulations, on en aura toujours, toujours. Il y a des gens qui sont morts, la plupart des disciples de ont étaient morts, martyrs. Étienne a été lapidé, comme vous le savez, et euh, Paul a été exécuté, et, euh, et plein d'autres. Et euh, donc ils ont vécu des tribulations. Et euh, maintenant, la grande tribulation, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est vraiment une période bien arrêtée hein, par le Seigneur, et euh, et, et, et qui n'a pas encore eu lieu, et qui, bien sûr, euh, aura lieu bientôt. Et euh, et alors les tribulations, et, euh, je vais juste rapidement aller dans l'histoire. Nous sommes en 605, n'est-ce pas, avant euh, Jésus-Christ, donc au 7 siècle. L'armée babylonienne arrive, n'est-ce pas, arrive à Babylone, à, à Jérusalem pardon, en 605 avant Jésus-Christ. L'armée chaldéenne, babylonienne arrive à Jérusalem. Pourquoi Tout simplement parce que le temple était souillé, le temple était rempli d'idoles, selon Ézéchiel 8, n'est-ce pas Et Dieu va susciter des prophètes, plusieurs prophètes, il va les envoyer matin et soir. Pour interpeller le peuple, personne ne les a écoutés. Ils ont été lapidés, n'est-ce pas? Rejetés, maltraités, outragés. Et Dieu va susciter Jérémie avec un message fort sur la repentance, le retour à Dieu. Et Jérémie avait une mission très, très difficile et il n'a pas été écouté. Et dans Jérémie 25, 11, ce prophète va annoncer, n'est-ce pas? La domination babylonienne de 70 ans, 70 ans de la domination babylonienne et qui correspondent également à la captivité des Hébreux, à leur déportation de Jérusalem à Babylone. Nebuchadnezzar arrive à Babylone, à Jérusalem et euh, il va déporter une partie, une grande partie, euh, donc l'élite, hein, donc euh, Israélite. Il va revenir encore en 587-86 pour déporter de nouveau des personnes. Il revient encore par la suite, et là la ville va être incendiée, n'est-ce pas Donc euh, le temple va être incendié et euh, les murailles détruites et, euh, et Jérusalem donc il va être livré aux nations. Mais avant que Jérusalem ne soit livrée aux nations, Ézéchiel 11 nous apprend que la gloire de Dieu, la Shekinah, avait quitté le temple à cause du péché, Elle avait quitté le temple et la ville de Jérusalem. Et à cette période-là justement, Jérusalem n'était plus n'est-ce pas? Et euh, et euh, la théocratie, le gouvernement de dieu n'était plus euh, sur terre, n'était plus en israël. dieu avait cessé d'être directement leur roi. et comme la shekinah, la gloire n'était plus là, donc jérusalem était maintenant euh, pouvait être, n'est-ce pas, euh, détruite. et voilà comment babylone arrive dans cette pays, dans cette ville. Pour la détruire. Et vous devez savoir que dans la, euh, la, dans, la, dans la Bible, selon la Bible, selon Dieu, il y a seulement deux villes. Il y a Jérusalem et Babylone. Lorsque l'une d'elles était à son apogée, l'autre était détruite. Nous avons plusieurs villes, c'est vrai, mais pour Dieu, il y en a seulement deux, parce qu'il y a les villes des nations donc qui, qui sont représentées par Babylone, d'accord Babylone qui veut dire mélange, mélange par euh, confusion par le mélange. Voilà. Donc, c'est l'ensemble des nations terrestres. Et il y a Jérusalem de l'autre côté. Donc, vous voyez, quand Jérusalem était à son apogée, Babylone était détruite. Quand Babylone était à son apogée, Jérusalem était détruite. Et là, justement, Jérusalem avait cessé d'être la ville la plus influente de la terre à cause du péché du peuple. Et Babylone, maintenant, arrive et Dieu va s'en servir, selon Jérémie 51, comme une, comme une verge. N'est-ce pas? Et comme il va s'en servir comme une coupe de, de sa colère. Et euh, et, euh, et Babylone va être un instrument entre les mains de Dieu pour juger son peuple et déportation. Il y a eu plusieurs déportations et euh, trois principales. Le peuple se retrouve à Babylone et là, à partir de 586, donc au sixième siècle avant Jésus-Christ, il y a eu les temps des nations à partir de 586 à peu près. C'est-à-dire Jérusalem était livré aux nations, livré aux nations et la gloire avait quitté le pays donc d'Israël. Et là, le, le, le temps des nations, n'est-ce pas, le temps des nations a commencé. Et ce temps, ce temps des nations va durer, n'est-ce pas, va aller jusqu'au retour visible du Mashiach, de Yeshua, de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et euh, Jusqu'au jusqu'au retour du Mashiach, Jérusalem est livrée aux nations. Et on le, on le voit, n'est-ce pas, à l'heure actuelle. Et selon, euh, notamment, et, euh, les écrits prophétiques, et, euh, selon ma, ma, euh, Michée 4, 11, et euh, selon et, euh, Joël 3, selon Zacharie 14, Jérusalem, n'est-ce pas, et sera entre les mains des nations, et, euh, livrée aux nations et sera divisé en deux n'est-ce pas donc euh, il y aura une partie pour euh, euh, en fait jérusalem la ville sera coupée en deux il y aura une partie pour israël et une autre partie pour l'état palestinien qui sera créé selon joël iii voilà donc euh, et, euh, et selon aussi les propositions des, des, des hommes de ce monde donc voyez que jusqu'au retour du machia jérusalem sera livrée aux nations allons voir une autre prophétie du machia et, euh, n'est-ce pas Et euh, nous sommes dans Matthieu, chapitre 23, verset 37. Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes et qui lapide de ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu Combien de fois ai-je voulu Dieu l'a voulu depuis des années. Avant l'incarnation de ce Dieu tout-puissant, il a envoyé des prophètes comme Jérémie pour rassembler les habitants de Jérusalem, pour rassembler les Israélites, les Hébreux, mais ils n'ont pas voulu. Et Yeshua lui-même, Dieu lui-même s'incarne, il vient afin de rassembler son peuple. Mais comme la parole dit dans Jean 1, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point voulu, ils l'ont rejeté. N'est-ce pas Et rappelez-vous bien de la parabole de... Euh, euh, N'est-ce pas de Matthieu 22, la parabole de de, de, de de ce roi qui avait fait des noces, n'est-ce pas, des noces à, pour son fils. Et euh, dans Matthieu 23 au verset 30 et euh, euh, 38, voici, votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Donc votre maison ici bien sûr, c'est Israël. N'est-ce pas? Vous sera vous laissé déserte, votre maison sera déserte, c'est-à-dire, en fait, littéralement, beaucoup d'entre vous quitteront cette maison pour se, pour se réfugier dans notre nation. D'accord? Donc, euh, et c'est exactement ce qui s'est passé, mes amis, pendant plusieurs, hein, pendant, des, pendant plusieurs années, n'est-ce pas? Pendant des siècles et des siècles, plusieurs siècles, Jérusalem, Israël était effectivement une nation désertique. N'est-ce pas? Et euh, parce que la plupart d'entre eux, notamment en l'an 70 de notre ère, lorsque Titus, à l'époque encore général, fils de Vespasien, arrive à Jérusalem, n'est-ce pas, pour mater la rébellion qui avait commencé à peu près en l'an 68 avant Jésus, après Jésus-Christ. Et cette rébellion des Juifs contre l'occupant, c'est-à-dire les Romains, avait duré deux ans. Titus, envoyé par son frère, par son père Vespasien, arrive et euh, à, 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 à Jérusalem pour mater la rébellion et il va détruire malheureusement il ne voulait pas le faire mais le temple va être incendié et beaucoup des juifs à partir de l'an 70 vont quitter Israël comme Jésus l'avait dit votre maison sera laissée déserte beaucoup ont quitté Jérusalem Israël pour se réfugier dans les nations voilà pourquoi nous avons des juifs dans les nations des juifs un peu partout déjà en 722 lorsque Salmanazar 5 roi d'Assyrie, n'est-ce pas, était arrivé en à, à, à Israël pour déporter les dix tribus d'Israël. Et euh, ça, on en parlera peut-être une autre fois. Mais en tout cas, en l'an 70, les Juifs vont se retrouver dans le monde entier. Voilà. Et euh, ce qu'on appelle justement la grande dispersion. Et hein, donc, et, euh, et la prophétie de Yeshua va se réaliser. Et euh, Yeshua, dans Matthieu 22, nous dit que un homme avait organisé des noces. Il a envoyé ses serviteurs pour appeler les invités. Les premiers invités, c'était bien sûr les Juifs, Israël. Et chacun va, n'est-ce pas, avancer ses propres raisons pour ne pas répondre à l'invitation. Et la parole nous apprend que le roi va dire au verset 9 de Matthieu 22, allez donc, Et euh, au verset 8, il, alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours, donc les carrefours, c'est les nations, n'est-ce pas, et, euh, et appelez aux noces. Tout ce que vous trouverez, ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent méchants et bon. Et la salle de noces fut pleine de convives. Donc vous voyez, ici, Yeshua va maintenant envoyer les, les apôtres, les disciples pour aller dans le monde entier, dans les nations, pour que la salle de noces soit remplie. Et nous sommes dans Matthieu 28 également, aller et fête de toutes les nations des disciples. Donc voyez, mes amis, Jérusalem a refusé d'écouter de, 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 la parole de Dieu. Jérémie prophétise la captivité justement. Nous revenons sur Jérémie, la captivité babylonienne qui va quelle est durer 70 ans et 70 ans à peu près. Un autre prophète, Daniel, tombe sur les écrits de Jérémie et Daniel se rend compte que le peuple était toujours en captivité à Babylone. Et qu'est-ce qui va se passer Daniel, notre frère va recourir à la prière. Il va prier son Dieu, demandant ce que euh, son peuple soit pardonné, ainsi que lui-même, hein, et, euh, et que, justement, euh, la libération de son peuple, le retour de l'exil à Babylone, et, euh, soit possible. Et nous sommes dans Daniel 9, justement. La première année de Darius, fils d'Assyrus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne... Moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem d'après le nombre des années dont Yahweh avait parlé à Jérémie le prophète. Donc, Daniel tombe sur les, le, le, rouleau de Jérémie, sur la prophétie de Jérémie 25, 11, et il se rend compte que 70 ans devaient s'écouler. Pourquoi? Deux chroniques 36 nous dit que parce que le peuple juif avait une dette de soixante-dix ans de Shabbat non observé. Et voilà pourquoi il est question de la Shabbat, du Shabbat de la terre. Tous les sept ans, la terre devait se reposer et les Hébreux n'avaient pas respecté ce Shabbat-là, la jachère, pendant soixante-dix ans. Et il fallait que qu'ils remboursent cette dette. Dieu est juste. Voilà pourquoi Dieu va envoyer hors d'Israël ce, ce peuple, une grande partie, afin que la terre puisse respirer. Parce que Dieu est juste. Voyez, mes amis, il rend même justice à la terre. Il y a quand même une plus forte raison à vous qui l'invoquez, à nous qui l'invoquons nuit et jour. Il nous rend toujours justice parce qu'il est juste. Tant que vous craignez Dieu, tant que vous marchez dans la sanctification, dans la piété, ne craignez pas, mes amis, ne craignez pas, mes amis, les bruits du couloir, ne craignez pas les chiens qui aboient, restez attachés à la parole de Dieu et Dieu vous justifiera au de choix. Alléluia. David dit, je jeune et j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Restez juste, Dieu est fidèle. La radio c'est une parenthèse, mes amis, que je referme au nom de choix, que je referme. Alors, Daniel nous dit, au vers, verset 3, je tournais, Daniel dit, je tournais ma face vers le Seigneur, Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac, le sac et la cendre. Voilà. Donc, Daniel va prier. Daniel va prier. Daniel va prier. Il va prier, prier, prier. Et au verset 20, il dit, je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à Yahweh, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. La sainte montagne, bien sûr, c'est Israël, Jérusalem, la, la, ville, la ville sainte, la ville du roi, Sion. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme... Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Donc Dieu, par la prière, n'est-ce pas, de Daniel, va dépêcher Gabriel, l'ange de la révélation. Et euh, Gabriel arrive et au verset 22, il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence, pour ouvrir ton esprit. Pourquoi Parce que Daniel voulait comprendre. Daniel voulait comprendre, mes amis, euh, ce qui se passe par rapport à son peuple. Et Gabriel, lui, et lui est envoyé et on nous dit, au verset 23, Gabriel dit à Daniel, « Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la prophétie, comprends la vision. Soixante-dix semaines ont été fixées sur ton peuple. » Soixante-dix semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le sein des saints. Waouh, alléluia, gloire à Dieu. Vous voyez, frères et sœurs, il est capital, il est important ici d'ouvrir grandement vos oreilles parce qu'il y a un... Euh, mes amis, il euh, y a quelque chose d'important ici qu'il faut comprendre. Gabriel dit à Daniel Daniel n'était pas français, Daniel n'était pas américain, Daniel n'était pas congolais, il n'était pas africain. Daniel était juif, 100% juif, fils de roi. Et on apprend ici que 70 semaines ont été fixées sur le peuple de Dieu, c'est-à-dire. Israël sur les juifs, les hébreux et sur la ville sainte, c'est-à-dire Jérusalem. Donc vous voyez bien que mes amis, euh, 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 cette période ne concerne aucunement l'Église. On nous dit que cette période de la grande tribulation concerne le peuple de Daniel et la ville sainte, Jérusalem. Alors, bien évidemment, vous savez qu'il y a une doctrine diabolique, satanique qu'on appelle la doctrine du remplacement, c'est-à-dire on attribue toutes les prophéties relatives à Israël à l'Église. Et beaucoup disent que l'Église a remplacé Israël dans le plan de Dieu, ce qui est complètement faux, parce que Paul dans Romains 11 nous dit que Dieu a-t-il abandonné son peuple Non. Donc il y a des prophéties relatives à Israël qui se sont accomplies, d'autres vont s'accomplir, bien sûr. Et Dieu va restaurer totalement cette nation lors de, du retour du Mashiach. Alléluia et tout Israël, nous dit la parole, se convertira, tout Israël sera sauvé. Donc ça, c'est encore un autre, euh, euh, un autre enseignement. Mais restons d'abord sur la grande tribulation, cette période bien définie, bien spécifique. Israël euh, 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 et, ce, et ce peuple, cette nation, qui va traverser cette période. Et Daniel, on lui dit ici que 70 semaines ont été fixées sur son peuple et sur la ville sainte. Pourquoi pour plusieurs raisons. Pour faire cesser les transgressions. Pour mettre fin au péché. Pour expier, n'est-ce pas, l'iniquité. Et amener la justice éternelle. Pour amener la justice éternelle. Pour sauver la vision et le prophète. Et pour oindre le sein de saints. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie conducteur. Il y a sept semaines et soixante-deux semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché. Donc, on ne parle du retranchement du Messie, c'est-à-dire littéralement de sa mort et de sa résurrection. Effectivement, le Messie a été retranché par la mort, comme Ésaïe 53 le dit. Il a été retranché par la mort et sa résurrection d'entre les morts et son, son élévation au ciel. Il a été arraché. D'accord Et euh, on apprend que après les 62 semaines, le Messie sera retranché. Donc, je ne sais pas si on peut avoir le tableau ici, si c'est possible. Et, euh, et, euh, et mes frères, mon frère Laurent, merci. Et euh, Dieu va nous aider, parce que c'est un enseignement qui nécessite aussi euh, un tableau pour davantage expliciter les choses, parce que vous êtes des amoureux de la parole, des amoureux de la prophétie biblique. J'aime beaucoup la prophétie biblique, frères et sœurs. J'aime beaucoup étudier la prophétie, euh, la parole de Dieu. et euh, c'est c'est un regal c'est un regal cette parole c'est ce, vraiment une joie qui inonde notre cœur et ce livre qui nous a été confié par notre père la parole de dieu alors on apprend que et euh, avant que sur les soixante deux semaines sur les soixante dix semaines pardon c'est les semaines d'année bien sûr sur ces soixante dix semaines on nous dit que et, euh, et euh, une grande partie de cette de ce temps là devait s'écouler avant, n'est-ce pas, la mort du Messie, Avant sa mort. D'accord et, euh, et on apprend que, donc on relit encore le verset 26, après les 62 semaines, le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Donc le peuple d'un chef, il est question ici bien sûr d'abord de Romains, des Romains qui sont venus avec Titus. En l'an 70, et ils ont détruit la, euh, euh, le, le temple. Ils ont presque, mes amis, euh, euh, bah, bah, beaucoup de Juifs avaient quitté Jérusalem. Donc le peuple d'un chef viendra et détruira la ville. Et c'est exactement ce qui s'est passé en l'an 70. Et c'est ce qui va se euh, passer de nouveau, mes amis. Et euh, au début du deuxième siècle, on en parlera une autre fois, mes amis. Et euh, Jérusalem était complètement rasée hein, et débaptisée. Et euh, rebaptisé, n'est-ce pas euh, euh, Capitolina et Elia. Donc on en parlera une autre fois. Et euh, voilà. Donc euh, et c'est terrible comment les prophètes sont précis. Hein, les prophètes bibliques, frères et sœurs. Et on nous dit que le peuple d'un chef qui viendra détruire la ville et le sanctuaire. Donc le sanctuaire, le temple a été détruit. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de l'alliance. De la guerre, pardon. Et euh, voilà. Donc, euh, et, euh, 70, semaines, 70 semaines ont été fixées sur le peuple de Daniel. C'est les semaines d'année, D'accord C'est des semaines d'année. Et si on calcule, mes amis, euh, ben, ça fait combien eh ben, Ça fait près de pr presque 490 ans. D'accord 490 ans. De Daniel au Messie conducteur. Et selon les historiens euh, dignes de, ce, de, de, de confiance, cette prophétie, cette, euh, mes amis, ces, ces, ces années se sont effectivement accomplies. Mais on apprend, mes amis, que sur, mes amis, les 70 ans, il y a une semaine qui est à part. Une seule semaine a été, mes amis, une semaine est mise à part. Et euh, voilà. Donc, en gros, de Daniel au messie conducteur il y a eu n'est-ce pas 69 semaines qui se sont accomplies déjà 69 semaines qui se sont totalement n'est-ce pas entièrement accomplies et il reste une semaine pour faire 70 semaines et c'est justement cette semaine là qui nous intéresse parce qu'il est question justement de euh, euh, la semaine prophétique n'est-ce pas donc euh, et, euh, et euh, ces soixante-dix ans, n'est-ce pas, sont aussi appelés un temps de temps et la moitié d'un temps. Donc, pardon, les, la, la grande tribulation, un temps de temps et la moitié d'un temps. D'accord Et, et euh, on nous dit que, donc, vous comprenez que soixante-dix semaines étaient fixées sur le peuple d'Israël, pas soixante-neuf semaines et le 7, la, la semaine qui reste là pour l'Église. Non, c'est soixante-dix semaines. Toutes ces 70 semaines étaient fixées sur le peuple de Daniel, les Juifs, les Juifs et sur la ville sainte. Et on a vu de Daniel à, 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 à la mort et la résurrection de Yeshua, 69 semaines se sont déjà accomplies. D'accord? Et une semaine a été mise à part. Cette semaine-là concerne justement euh, un autre temps, une autre période. Et regardez. Au verset 27 de Daniel 7. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Vous voyez bien, on parle d'une semaine ici. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Donc on nous parle d'une semaine et du milieu hein, de cette semaine-là. Et une semaine, n'est-ce pas, égale sept jours. Et cette semaine-là, c'est une semaine d'année. Donc, un jour compte. Un, un, un jour égale un an. Donc, une semaine ici correspond à sept ans. Voilà. Et rappelez-vous, on retrouve le, le chiffre sept. Une semaine égale sept jours. Et c'est les jours d'année. D'année prophétique. D'accord Donc, il est question ici de sept ans. Donc une alliance, l'alliance mosaïque, sera confirmée avec les Juifs, sera confirmée pour sept ans. Et au milieu de ces sept ans, eh ben, euh, cette alliance sera, mes amis, euh, il va y avoir justement une, euh, il va y avoir donc la grande euh, tribulation, d'accord Sept ans, sept ans de fausse paix, d'accord Il y aura sept ans de fausse paix. Entre Israël et les nations qui l'entourent. Entre Israël et, bien sûr, euh, euh, l'homme du péché, l'homme impie. Une semaine de fausse paix. C'est pas grave, il n'y a, a pas de tableau, c'est pas grave, merci, mon frère. Une semaine de fausse paix. Un Thessaloniciens, chapitre 5 nous dit, quand les hommes diront paix et sûreté, c'est alors qu'une ruine soudaine s'abattra sur eux. Et vous voyez, l'ONU, cette organisation mondiale, veut promouvoir la paix. Donc, c'est par là que l'homme impie viendra aussi pour proposer, n'est-ce pas, la paix aux hommes, notamment avec Israël. Moyennant justement euh, la séparation de, de, de Jérusalem en deux parties, une partie pour les Hébreux et une partie pour la Palestine, afin de promouvoir la paix. Et bien sûr, les autorités israélites vont signer cela, ce traité de paix, et euh, croyant avoir la paix, n'est-ce pas, et au bout de. Et euh, et euh, au milieu de cette année, eh ben, il va y avoir justement la grande tribulation. Donc, sept jours, une semaine égale euh, sept jours, et c'est jours ici, prophétiquement, ces sept jours représentent sept ans, d'accord Et la grande tribulation concerne, mes amis, euh, concerne D'abord, exclusivement, bien sûr, je dirais même, les Hébreux, Israël. Israël. On a vu que 70 semaines étaient fixées sur eux, d'accord, la Ville Sainte, et 69 semaines se sont déjà accomplies. Et il reste 7 ans. Et qu'est-ce qu'on apprend On apprend donc euh, que euh, 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 la grande tribulation va durer. Va débuter au, au milieu de ces sept ans, donc trois ans et demi. On va le voir tout à l'heure, mais allons d'abord voir d'autres versets pour nous montrer que la grande tribulation concerne mes amis euh, Israël. On a vu Daniel 9, 24 le dire. On va avoir un autre témoin dans Jérémie 30. Jérémie 30, le verset 7. On peut même lire à partir du verset euh, 5. Ainsi parle Yahweh. Nous entendons des cris d'effroi. C'est l'épouvante. Ce n'est pas la paix. Informez-vous, ce n'est pas la paix. Informez-vous et regardez si un homme enfante. Pourquoi vois-je tous les hommes les mains sur leurs reins, comme une femme en travail Pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles Malheur, car ce jour est grand. Il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse. Pour Jacob, mais il en sera délivré. Voyez En ce jour-là, dit Yahweh des armées, je briserai son joug de dessus son, ton cou, je romprai tes liens, et des étrangers ne t'assujettiront plus. Ils serviront Yahweh leur Dieu, et David leur roi, que je leur susciterai. Et toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, dit Yahweh. Ici, Jacob, était, Jacob homme, était déjà mort depuis des années, depuis des siècles et des siècles. Il est question ici, bien sûr, d'Israël. Et toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, dit Yahweh. Ne t'effraie pas, Israël, car je te délivrerai de la terre lointaine. Je délivrerai ta postérité du pays où elle est captive. Jacob reviendra, il jouira du repos et il n'y aura personne pour le troubler. Voyez Car je suis avec toi, dit Yahweh, pour te délivrer. J'exterminerai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé. Mais toi, je ne t'exterminerai pas. Je te châtirai avec équité. Je ne puis te laisser impuni. Voilà. Voilà, frères et sœurs, ce que la parole nous apprend. Dieu dit que c'est un temps d'angoisse pour Jacob. Malheur, car ce jour est grand. Il n'y en a, a point eu de semblable. Il n'y en a point eu de semblable. Et c'est un temps d'angoisse pour Jacob. Jacob, mes amis, n'est pas l'Église. L'Église n'est pas Jacob. L'Église, c'est l'Église. Jacob, c'est Israël. D'accord Il faut faire la part des choses, frères et sœurs. Dieu aime encore, euh, mes amis, ce peuple, cette nation. Bien sûr, il aime tous le, les hommes. Mais Dieu a fait des promesses à Abraham concernant sa postérité biologique, sa postérité physique, n'est-ce pas, charnelle, et Dieu ne s'en repentira pas. Comme la parole le dit, il ne se repent pas de ses dons. Alors, frères et sœurs, et, euh, et donc, on voit bien que c'est un temps d'angoisse pour Jacob. Donc, nous avons un deuxième verset qui concerne bel et bien que ce temps concerne bel et bien Israël et non l'église, frères et sœurs. La grande tribulation. Et regardez ce que Yeshua, mes amis, nous dit dans Matthieu, chapitre 24. On nous dit que ce temps, n'a hein, pas de pareil, n'a pas de semblable. Hein, donc, euh, cette époque de la grande révélation n'a pas, est, est une période sans précédente, mes amis. Il n'y a pas de précédent dans l'histoire humaine, tellement que les atrocités sera, seront énormes, tellement que les Hébreux seront, mes amis, euh, éprouvés. Hein, donc, euh, nous sommes dans Matthieu 24. Les apôtres, les juifs d'origine, tous, posent la question à Yeshua, n'est-ce pas comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui afin de remarquer les constructions. Mais il leur dit Voyez-vous tout cela Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici, Pierre sur Pierre, mais me sera renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde Trois questions. Quand, sera la... quand cela arrivera-t-il Quoi La destruction du temple. Deuxième question Quel sera le signe de ton avènement Parousia en grec, qui vient de paraémie, présence. Et troisièmement, quel sera le signe de la fin du monde et Yeshua leur donne quelques indices. Et au verset 15, il dit, C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Donc il est question ici d'Israël, de l'abomination qui sera établie en Israël. On sait que cela est déjà établi dans, nos dans la plupart de nos assemblées visibles. La plupart, n'est-ce pas et nous le répétons, nous le répétons encore, sortez de toutes ces églises où la croix n'est pas prêchée, où la sanctification n'est pas prêchée, où il y a la prospérité, où il y a la vente des CD, où il y a la vente des livres, où il y a la vente des concerts, tout ça là, sortez de ces, 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 ces marchés d'hommes. Voilà, je ferme la parenthèse, faut toujours mettre une couche au nom de Jésus. Voilà. Et au nom de Yeshua, on ne on va pas se taire. Et Yeshua dit, quand vous verrez l'abomination de la désolation, de s'établir là où il ne doit pas être. Que celui qui lui fasse attention. Or, Daniel 9 nous dit que justement, le temple sera, sera souillé, détruit. Et il le dit dans Daniel 11 également, que des troupes viendront et profaneront le temple. D'accord? Daniel 11, 32. Voilà. 31 à 32. Et, euh, et alors, au vers, verset 16, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Donc, la Judée, ce n'est pas Paris. La Judée, ce n'est pas l'Europe. Ce n'est pas les États-Unis. Mes amis, c'est bien la Judée, Judas, la Judée, dont la capitale est, est à l'époque Jérusalem. Hein, donc euh, aujourd'hui, c'est Israël, bien sûr, dont la capitale est Jérusalem. Et euh, il dit que, celui, que ceux qui seront en Judée furent dans les montagnes. Or, Ésaïe 2 et Michée 4 nous, a, nous enseignent, Jérémie 51, et, euh, nous enseignent que, et plein de passages, hein, que les montagnes dans la ville représentent aussi les royaumes de ce monde. Donc on apprend ici que lors, pendant la grande tribulation, des juifs vont quitter Jérusalem, vont quitter Israël pour, pour se réfugier dans les nations. C'est pour cela dans Jérémie 31, 30, on l'a lu, Yahweh dit qu'il va ramener les juifs qui se seront exilés, qui seront exilés dans les nations. Donc Yeshua dit ici que ceux qui verront parmi les juifs ces choses-là, l'abomination de la, le temple, ça, se sauvent dans les montagnes, c'est-à-dire dans les nations. Dans les nations, bien sûr, païennes, pour se réfugier, pour se sauver. Donc, vous voyez bien que la grande tribulation concerne vraiment, mes amis, Israël. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, euh, et, euh, il faut comprendre le langage de Yeshua, physique et euh, spirituel. Il n'est pas ici des montagnes physiques, hein, euh, c'est des montagnes des nations. Hein, ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Voilà. Michel 4 nous dit qu'il arrivera dans la fin, à la fin de temps, que le, la montagne de Yahweh sera établie au sommet des collines, au sommet des montagnes. Qui est-tu grande montagne? Voyez? Donc, tu seras rasé, aplani. Donc, voyez bien que les collines qui doivent être aplanies, hein, c'est les forteresses dans les montagnes, dans les, des, des nations, hein, donc, euh, et euh, Yeshua demande aux hébreux qui verront la grande tribulation, eh ben, qui traverseront cette période, fuis dans les nations. Et, mes amis, on continue, il dit, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront à ce jour-là. Pourquoi Parce qu'elles ne peuvent pas fuir, parce qu'elles sont enceintes. Et, un autre passage, au verset 20, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, parce qu'en hiver, c'est vrai qu'il fait froid, il y a la neige, et courir, euh, c'est difficile. Ni un jour de sabbat. Pourquoi Yeshua dit ici que les juifs, que les hébreux prient pour que la grande tribulation, pour que ce jour-là n'arrive arrive pas, ne tombe pas un jour de sabbat C'est simple. Si vous lisez Exode 16, vous verrez qu'à partir du verset 28, Moïse, Yahweh par Moïse, avait dit aux enfants d'Israël que le jour du sabbat, les hébreux, n'est-ce pas, devaient rester à l'endroit où ils se trouvaient. Il ne devait pas faire plus de 2000 coudées. Il, devait, il, de, il ne devait pas faire plus de mille, mille, plus, plus de 2 euh, kilomètres. Il fallait qu'il reste à l'endroit où il s'est trouvé. Donc vous comprenez, comme Yeshua savait qu'il allait être rejeté par son peuple et qu'ils allaient préférer euh, observer la loi mosaïque plutôt que la parole révélée, eh ben, il leur dit ben justement eh ben, priez pour que ce jour-là n'arrive pas un jour de Shabbat parce que vous ne voudriez pas courir. D'accord et, euh, et c'est terrible. Et il dit au verset 21, car alors la détresse sera si grande, qu'il n'y en a point eu de semblable, de, de, qu'il n'y en a point eu de pareil depuis que le, depuis le commencement du monde. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu, qu'il a, qu a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Car alors, la détresse sera, je répète encore, parce qu'il y a le choix, il est en train de reprendre le passage de Jérémie 30. car, la, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'en aura jamais. C'est terrible. Jérémie a dit la même chose. C'est un jour qui n'a pas de qui est sans précédent. Donc voyez bien que, mes amis, il est question de la grande tribulation qui concerne bien sûr Israël et non l'Église. Et Yeshua dit, priez pour que ce jour ne devienne pas un jour de Shabbat. Mais ben nous n'avons rien à voir avec le Shabbat. L'église n'a rien à voir avec le Shabbat. Pourquoi Yeshua va-t-il demander à l'église de prier pour que le, la grande tribulation ne vienne pas, ne tombe pas un jour de Shabbat? Parce que l'église n'est pas censée observer le Shabbat. C'est Christ et notre repos. Grâce à l'œuvre de la croix, nous avons obtenu le, 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 le repos. Voilà. Il est dit que si Josué leur avait donné le repos, Yeshua ne parlerait pas de notre repos. Voilà. Donc, il n'est pas question de l'église, mes amis. Que personne ne vous trouble. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc la grande tribulation ne concerne aucunement l'Église. On a eu ce passage-là, mes amis, et, euh, et qui le confirme. Et la parole nous dit justement que les Hébreux seront dans la détresse. Israël sera dans la détresse. Persécuté. Joël nous dit quoi Justement, pendant cette grande tribulation, Joël 3 nous dit quelque chose de terrible. Regardez ce que la Bible dit. Joël 3:1 car voici en ce jour en ce temps-là il est question du temps bien sûr prophétique du temps messianique quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem je rassemblerai toutes les nations donc vous voyez bien que les, à cause de la tribulation de, de la grande tribulation beaucoup des juifs vont quitter Israël de nouveau pour se réfugier dans les nations dans les montagnes des nations et quand il, le Mashiach va revenir il dit qu'il va ramener son peuple à Jérusalem donc, actuellement, il y a l'alliance. Le peuple fait une alliance. Donc, le retour, les Hébreux retournent de plus en plus en Israël. Mais à cause de la grande tribulation, ils vont de nouveau quitter Israël beaucoup pour se réfugier dans les nations. Et là, Dieu dit Je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans de la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles. Au sujet de mon pays, au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage qu'elles ont dispersé parmi les nations et au sujet de mon pays qu'elles se sont partagées. Vous voyez, donc ils vont partager ce pays, donc euh, Jérusalem, effectivement. Et euh, c'est la proposition que, que l'ONU fait, et beaucoup d'autres pays occidentaux, et afin qu'il y ait, n'est-ce pas, une, euh, afin que Jérusalem, la capitale euh, d'Israël, soit coupée en deux. Et cela va se réaliser, frères et sœurs. Alors, on apprend que, mes amis, les gens vont être, les juifs vont être persécutés. Et euh, voilà, et, euh, et qu'est-ce qui va se passer les nations vont arriver là-bas, à Jérusalem. Hein, et Jérusalem sera foulée par les nations. N'est-ce pas? Ça va être terrible, on va le voir. Et euh, foulée par les nations. Et eh ben, beaucoup de gens, beaucoup de juifs vont être euh, contraints à l'exil. Beaucoup vont se sauver. Voilà. Et, euh, et euh, voilà. Alors, voilà ce qui va se passer. Au verset, n'est-ce pas? 5. Vous avez pris mon argent et mon or, et ce que j'avais de plus précieux et de plus beau, vous l'avez emporté dans vos temples. Vous avez vendu les enfants de Juda et de Jérusalem aux enfants de Java. Java, c'est bien sûr la Grèce. Beaucoup des Juifs seront déportés en Grèce, en Europe notamment, de nouveau, hein, donc, euh, et dans les nations. Et euh, voici, et, et, euh, vous avez vendu les enfants de, de Juda et de Jérusalem aux enfants de Java. Afin de les éloigner de leur territoire, afin de les éloigner de leur territoire. Voici, je les ferai revenir du lieu où vous les avez vendus, et je ferai retomber votre vengeance sur vos têtes. Voilà. Frère enfin de ce, ce qui va se passer, ça va être terrible pour les Juifs, ça va être terrible pour Israël, et de nouveau, ils seront obligés, n'est-ce pas, de se sauver dans les nations, et euh, comme à l'époque d'Israël. Et beaucoup, justement, de personnes vont les aider, vont leur venir en aide. Et Yeshua, dans Matthieu 25, dira, quand il reviendra, il dira aux brebis, c'est-à-dire aux gens, aux hommes et aux femmes qui vont se convertir pendant la Grande Tribulation, selon Apocalypse 7, parce qu'il y aura un grand réveil aussi pendant la Grande Tribulation. Beaucoup de personnes issues de plusieurs pays hein, vont se convertir. Et ces personnes-là vont venir en aide aux Juifs. Et Yeshua leur dira J'avais faim, vous m'avez accueilli. J'avais soif, vous m'avez euh, nourri, hein, vous m'avez fait boire, et ces derniers, donc, lui diront euh, Quand avons-nous vu, vu quand avons-nous vu euh, euh, dans les besoins et avons-nous assisté Et il leur dira À chaque fois que vous avez fait ces choses, à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous avez fait. Donc, l'un de ces plus petits de ses frères, c'est des Juifs biologiques, des Juifs physiques, descendants physiques d'Abraham. De, vous Voyez. Donc, pendant que euh, les Juifs seront dans les nations, eh ben, pourchassés. Et, euh, et euh, par l'homme impie, et euh, il pourchassera également. Il va pourchasser également ceux qui refuseront la marque de la bête. Eh bien, beaucoup euh, parmi les Juifs seront soutenus par euh, des, des chrétiens et, euh, et euh, par des personnes que Yeshua va récompenser. Nous sommes dans Matthieu chapitre 25. Justement, on va lire ce passage-là rapidement. Matthieu 25 et euh, verset et euh, 37. Et euh, 34. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez position du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et avons-nous donné à manger, ou avoir soif et avons-nous donné à boire Quand avons-nous vu étrangers et avons-nous recueillis, ou nus et avons-nous vêtus Mais quand avons-nous vu malades ou en prison et sommes-nous allés vers toi Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Voyez à l'un de ses plus petits de ses frères, ce sont les Juifs qui vont mourir de faim, de soif, qui vont manquer de vêtements, et ces saints, n'est-ce pas, qui sont appelés, euh, les brebis vont leur venir en aide. Voilà, c'est converti de la grande tribulation, comme à l'époque d'Hitler, euh, où beaucoup d'Européens, beaucoup de Français étaient venus en aide aux Juifs pendant qu'ils étaient marqués, n'est-ce pas, euh, et persécutés par Hitler. Et c est, c est, c est, ces hommes et ces femmes qui leur étaient venus en aide sont appelés les justes par le gouvernement français. Voilà. Donc ils seront soutenus comme ça. On va les cacher. Ils vont être poursuivis partout. Et, et les juifs et ceux qui accepteront de suivre Jésus-Christ qui refuseront la marque de la bête. Ça va être atroce. Ça va être terrible, frères et sœurs. Donc là, donc on a vu que les temps des nations, bien sûr, ont commencé en, à peu près en 686, en 500. Hein, en 586 euh, avant Jésus-Christ, lorsque le temple était euh, incendié par l'armée par chaldéenne, babylonienne. Et euh, regardez dans, dans, dans Luc chapitre 21. Dans Luc 21, le Seigneur donne un détail au verset. En fait, il, il répond hein, aux apôtres, hein, donc à leur question hein, quel sera le signe de ton avènement Donc, il a parlé de la, 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 la profanation du temple. Et. Euh, il dit au verset 20, Luc 21, 20, Lorsque vous verrez Jérusalem investi par des armées, donc vous voyez bien que la grande tribulation ne concerne pas d'autres nations, mais c'est d'abord Israël, Jérusalem, Lorsque vous verrez Jérusalem investi par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, donc les nations, que ceux qui seront euh, euh, au milieu de Jérusalem en sortent. Pourquoi Pour se sauver. Et qui ceux. Et ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront ce jour-là. Car il y aura une grande détresse dans le pays, dans le pays. Et de la colère contre ce peuple. Donc la grande tribulation est une période, mes amis, de la colère de Dieu qui va s'exercer à la fois sur l'armée, la, sur le royaume de l'homme impie et sur cette nation qui est Israël. Dieu va la purifier comme ça. Dieu va la nettoyer comme ça, frère et sœur. Oui, c'est parce que ce peuple, cette nation a rejeté, euh, bien sûr, le Machia, le temps de la visitation. D'accord Et ce n'est pas moi qui le dis, la parole qui le dit, frère et sœur, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. De la colère, donc bien sûr, il est aussi question de la colère des nations. Contre ce peuple, en fait, la grande tribulation, n'est-ce pas, et, euh, et, et, et euh, la, va et, euh, se terminer par la grande guerre, par l'armageddon. L'armageddon, c'est quoi Eh ben, c'est le paroxysme de la guerre entre les deux postérités, entre la postérité du serpent, selon Genèse, Genèse 3,15, et la postérité de la femme, c'est-à-dire Israël. Voilà. Cette inimitié. Qui a entre, mes amis, euh, cette deux postérités, eh ben, la grande tribulation euh, va aboutir à l'Armageddon, la troisième guerre mondiale. N'est-ce pas? Ça va être terrible. Et qu'est-ce qu'on apprend? Yeshua dit ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Donc, vous voyez bien que les prophètes, mes amis, s'emboîtent les, les uns dans les autres. Hein, et, euh, ils seront emmenés parmi les nations. Et, n'est-ce pas? Jérusalem, donc les montagnes c'est les nations, et Jérusalem sera foulée au pied par les nations. Jérusalem sera foulée au pied par les nations, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Bah ben oui, les temps des nations qui ont débuté en 586, avant Jésus-Christ, et qui vont se terminer au retour du Mashiach, le retour visible. Vous voyez, frères et sœurs, donc il est question de Jérusalem, qui sera foulée aux pieds, la grande tribulation, contre le peuple juif, qui doit, beaucoup doivent quitter, comme Yeshua leur dit, quitter la ville, quitter Jérusalem. Pourquoi Jérusalem Eh bien, tout simplement parce que Jérusalem est la, la, ville, du, la ville du grand roi. Jérusalem sera la capitale, n'est-ce pas, du royaume millénaire, du Mashiach. Voilà pourquoi Jérusalem est autant, n'est-ce pas, convoitée. Jérusalem est la capitale, mes amis, aujourd'hui, qui, qui a, qui a, qui héberge les trois grandes religions, hein? euh, 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 majoritaires. Le, euh, euh, le christianisme, qui est une, qui est devenu, une, qui, qui est une religion, mes amis, euh, paganisée aujourd'hui. et, euh, et, euh, et euh, le judaïsme. Et l'islam. D'accord. Et l'islam. Et euh, donc c'est terrible. Donc la troisième guerre mondiale, mes amis, et euh, ça va être la, la, le paroxysme, l'apogée de la grande tribulation, la haine, n'est-ce pas, des nations envers et euh, euh, Israël. Et c'est terrible. Donc vous comprenez que l'enjeu est énorme. Jérusalem est une ville, mes amis, qui suscite la convoitise des nations. Et on en parlera une autre fois, parce qu'on va beaucoup parler aussi de la prophétie biblique, n'est-ce pas, pour nous aider à comprendre l'état dans lequel nous sommes, parce que des scientifiques ont découvert beaucoup de richesses hein, sous la mer morte, et euh, beaucoup, beaucoup de richesses en Israël, et cela suscite aussi beaucoup de convoitises. Et, euh, mais la première chose qui. Fait que cette, cette ville étant convoitée, c'est parce que justement, Satan sait que Yeshua va régner hein, pendant mille ans à partir de cette ville. Voilà pourquoi il veut à tout prix, n'est-ce pas, l'empêcher d'établir de, 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 son trône. Et d'où justement cet engouement, cette, 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 cette guerre. Et, euh, et regardez, il est dit dans Zacharie chapitre 12 que Jérusalem est une pierre pesante pour les nations. On en parlera aussi, Jérusalem en tant qu'horloge de temps. Et euh, regardez, frères et sœurs, on apprend que Jérusalem, justement, sera foulée par, par les nations jusqu'à ce que leur temps soit accompli. Parce que nous nous posons beaucoup de questions. Beaucoup de, vous, vous prêchez l'évangile aux païens, aux inconvertis, et beaucoup vous diront, beaucoup vous disent, euh, oui, mais si Dieu existe, pourquoi permet-il autant d'atrocités Il faudrait leur dire, justement, Dieu a, a arrêté un temps où il va intervenir dans les affaires humaines, mais pour l'instant, c'est le temps, hein, c'est le temps de nation. Et regardez, Jérusalem sera foulée au pied par les nations, pendant combien de temps précisément Nous avons ce détail dans Apocalypse chapitre 11. Apocalypse 11. Verset 1 et 2. « On me donna un roseau semblable à une verge en disant, « Lève-toi, mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. « Mais le parvis extérieur du temple... Le parvis extérieur du temple laisse-le de côté et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront au pied la ville sainte pendant quarante-deux mois. » Jean reçoit la confirmation, n'est-ce pas Donc, euh, que la ville sainte sera foulée par les nations. Mais là, il, on, on lui donne un détail que Jésus-Christ n'avait pas donné dans Luc 21, certainement parce que les apôtres n'étaient pas encore en mesure de supporter toutes ces grandes révélations. Et on apprend que justement Jérusalem sera foulée par les nations pendant quarante deux mois. Donc quarante deux mois, n'est-ce pas, correspondent à trois ans et demi justement, ou encore à mille deux cent soixante jours. Je donnerai verset 3, à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtu de sac pendant 1260 deux cent soixante jours. Donc pendant la grande tribulation, Jérusalem sera foulée au pied par les nations. Beaucoup de Juifs vont quitter cette ville, n'est-ce pas? Les nations vont arriver, l'armée de l'homme impie, l'armée, n'est-ce pas, du futur dictateur, va, cette armée va, comme avec Nebuchadnezzar, hein c'est la même chose, l'histoire se répète en fait, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Et là, eh bien, la ville sera incendiée et beaucoup d'hébreux vont quitter la ville pour se réfugier dans les nations. Et, mes amis, l'homme impie va établir son gouvernement. Hein, pendant quelques temps sur et, et cette, cette ville, il va essayer un peu d'établir son gouvernement, tout ça, et euh, pour empêcher justement Yeshua de, de revenir. Et mes amis, pendant la grande tribulation, justement, pendant cette période difficile, donc la moitié de sept ans, la moitié de la semaine, vous voyez, donc euh, l'alliance hébraïque-mosaïque sera confirmée pour sept ans, et au milieu de ces sept années, il va y avoir justement... Le déclenchement de la grande tribulation. Et ça va, être, ça va durer trois ans et demi. Quarante-deux mois, frères et sœurs, mille deux cent soixante jours. Et c'est ce que euh, Daniel appelle un temps de temps et la moitié d'un temps. Ça va être une, un temps de souffrance, d'angoisse, qui n'a pas de précédent. Les Juifs seront, des femmes ju juives seront violées. Ça va être horrible. Horrible. C'est ce que les juifs ont vécu en l'an 162. Avec euh, uh, Attiochus Epiphane. ce roi helléniste est arrivé, n'est-ce pas, à Jérusalem. Il va établir un, 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 il va destituer le souverain sacrificateur de l'époque qui était intègre pour le remplacer par un homme qui était voué à sa cause, un, un impie, un collaborateur. Il va interdire la circoncision. Il va, n'est-ce pas, euh, faire euh, euh, brûler vive. Hein, des femmes juives qui refusaient, n'est-ce pas, de se soumettre à ces lois impies, il va les brûler en attachant leurs enfants à leur cou. Et il va interdire la lecture de la Torah, il va interdire la, les sept fêtes, les fêtes de Yahweh, et euh, il va suer le temple, il va, n'est-ce pas, établir, n'est-ce pas, dans le temple, et, euh, il va sacrifier un porc au dieu Zeus, n'est-ce pas, ou Baal aussi. Et, et Yeshua nous dit que ces choses vont se répéter. Pendant la Grande Tribulation, mes amis, c'est ce qui va se passer. Ça va être horrible. Et pendant ce temps-là, justement, de la Grande Tribulation, les Juifs seront persécutés. Les chrétiens, des hommes et des femmes, vont se convertir parce que ces deux témoins vont annoncer l'évangile dans le monde entier, opérant des grands miracles. Et Apocalypse 7 nous dit que beaucoup de personnes vont se convertir. Vous pouvez le lire à la maison, tranquillement. Apocalypse, chapitre 7. Beaucoup de conversions pendant la Grande Tribulation. Ces deux témoins vont tétaniser les habitants, les habitants de la terre par leur message. Et on va les tuer et ils vont être ressuscités et enlevés au ciel. Pendant la Grande Tribulation, on va obliger les hommes à avoir, mes amis, euh, la marque de la bête. Et euh, ceux qui vont refuser, la refuser vont être persécutés. Donc, d'où justement la persécution c'est des croyants. Qui, attendent, hein, euh, qui attendront le retour visible de mach, du Mashiach. D'accord Mais ça va débuter à Jérusalem. Et pendant la grande tribulation, frères et sœurs, selon Apocalypse 16, Dieu va déverser sur le règne de l'homme impie les sept coupes de la colère de Dieu. Il va y avoir des fléaux terribles. N'est-ce pas Vous pouvez le méditer également à la maison, parce qu'on ne peut pas faire tout, tout cet enseignement en un jour, en une soirée. Il faut plusieurs jours. Pendant la grande tribulation, mes amis, et, euh, il y aura de la trahison à un degré inégalé. Hein, donc, euh, des croyants aussi vont se trahir. Il y en a qui vont accepter de ceux qui vont renier la foi pour, n'est-ce pas, euh, ne pas se faire, pour ne pas être persécutés à cause de la croix. Et ils vont trahir leurs frères. Ça va être horrible. 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 Et les sept coupes de la colère de Dieu seront déversées. Sur le royaume de l'homme impie. Et Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens 4, 1 Thessaloniciens, pardon, 5, 9, 1 Thessaloniciens 1, 9 à 10, Paul dit que nous ne sommes pas destinés à la colère à venir. Donc nous qui, nous l'Église, on n'est pas destinés à cette, cette colère-là, les sept coupes de la colère de Dieu. Et il va y avoir les nations, l'homme impie sera à leur tête, n'est-ce pas? Gog et Magog, Ézéchiel 38, 39. Qui vont, n'est-ce pas, Gog et Magog, donc le roi, n'est-ce pas, qui sera la tête de cette grande coalition, va arriver à Jérusalem, va attaquer la ville, n'est-ce pas, et euh, ça va être, mes amis, horrible, horrible. C'est la troisième guerre mondiale qui sera déclenchée. Et à la fin de ces trois ans et demi, une fois que Israël sera bien nettoyé, n'est-ce pas? Selon Zacharie 12, on nous, on nous dit que euh, ce peuple sera nettoyé. Nettoyé. Et c'est terrible. Regardez ce que Daniel, Zacharie 13 nous dit. Dans tout le pays, verset 8, dit Yahweh, les deux tiers seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. Je mettrai ce tiers dans le feu, et je le purifierai comme on purifie l'argent, je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom. Et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple. Et il dira, Yahweh est mon Dieu. voyez Et Dieu va mettre, c'est sur les On nous dit que deux tiers, péri, deux tiers périront. Vous vous rendez compte, frères et sœurs Deux tiers périront. Un tiers seulement sera délivré. Waouh Ça va être terrible, frères et sœurs. Terrible pour, le, pour les juifs. Parce que Dieu va épurer cette nation. Épurer ce peuple et à la fin de cette épuration nous sommes dans Zacharie 13 hein, on a lu jusqu'au verset 9 et tout de suite après nous avons le chapitre 14 voici le jour de Yahweh arrive après cette épuration après ce nettoyage après ces trois ans et demi de la grande tribulation la guerre d'Armageddon va prendre va ça va être terrifiant de ceux oh les rois des nations vont se lever contre Israël contre les Hébreux, contre les vrais enfants de Dieu, contre ceux qui vont se convertir. Et après, on nous dit, voici le jour de Yahweh arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Là, c'est la guerre d'Amageddon, n'est-ce pas Alléluia. Et on nous dit, la ville sera prise, les maisons seront pillées, donc il y aura beaucoup de pillages, et les femmes seront violées. Les femmes seront violées. La moitié de la ville ira en captivité. Donc la moitié des Hébreux, la moitié des Juifs, Sortira de la ville pour aller dans les nations, dans les montagnes. On apprend les détails ici, hein, mes amis. La moitié. Mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Yahweh viendra. Yahweh paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis -vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu et à l'Orient et à l'Occident. Et il se formera une grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Et c'est terrible, frère. Yahweh paraîtra et ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers. Et Yahweh en question, c'est Yeshua. Alléluia, gloire à Dieu. Et nous dit que c'est Yahweh qui va, mes amis, rassembler les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Et dans Apocalypse 16, 16, on nous dit que ce sont les démons qui vont rassembler, n'est-ce pas Les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Mais derrière les démons, il y a Yahweh, Dieu lui-même. Alléluia. Il est au contrôle, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Et regardez, frères et sœurs. Ils le rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Ce sont les démons. Mais derrière ces démons, il y a Yahweh lui-même. C'est la guerre d'Armageddon. Hein? Alléluia. La guerre d'Armageddon, frères et sœurs, c'est la dernière bataille. Et on nous dit, frères et sœurs, je vis, verset 13, de la gueule du dragon et de la gueule de la, de la bête et de la, de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs semblables à de grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui, vont, qui font des prodiges et qui vont vers les rois de la terre, de toute la terre, afin de le rassembler pour le, le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ils le rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Waouh C'est la guerre d'Armageddon. Les démons sont derrière les armées de ce monde. Les démons sont derrière les armées de l'homme impie. Voyez oui, frère, et là, Yeshua lui-même les rassemble en fait. Voyez? Et regardez Miché 4. Oh, j'aime la parole, frères et sœurs. Michée 4, frères et sœurs, Dieu est magnifique. Michée 4. Hum Je crois que vous aimez la parole, frères et sœurs. Michée 4, 11. Maintenant, plusieurs nations se sont rassemblées contre toi. Qu'elles soient profanées, disent-elles, et que nos yeux se rassasient dans Sion. Mais elles ne connaissent pas les pensées de Yahweh. Elles ne comprennent pas ses desseins. Elles ignorent qu'il les a rassemblées comme des gerbes dans l'air. Lève-toi, fille de Sion, et foule. Je, fais, je te ferai des cornes, une corne de fer et des ongles d'airain. Et tu broyeras des peuples nombreux. Tu consacreras, tu consacreras leurs biens à Yahweh, leurs richesses au Seigneur de toute la terre. Maintenant, fille de troupes, rassemble tes troupes. On nous assiège. Avec la verge, on frappe sur la joue le juge d'Israël. Waouh Frères et sœurs. Ça va être glorieux. Et là, Yeshua, avec l'Église, parce que l'Église sera enlevée avant la grande tribulation, bien sûr. Alléluia. Parce que l'Église va participer, va passer par la tri le tribunal de Christ, afin, de recevoir la, la, afin que chaque chrétien reçoive sa récompense, en fonction de sa fidélité, ou non. Ce ne sera pas pour être condamné par rapport au salut. On ne va pas perdre le salut quand on sera. Une fois qu'on est enlevé, on est déjà sauvé. Mais dans ce tribunal, il est question de la récompense. Alléluia. Gloire à Dieu. Et après le tribunal, ça va être les noces on va passer aux noces, on va manger des mets succulents, on va boire du vin vieux, on va boire du vin nouveau. On va boire mes amis, on va manger, les anges vont nous servir. Et mes amis, à la fin de la grande révélation, Yeshua dira maintenant le temps est accompli car le peuple d'Israël va tellement crier, tellement soupirer après le libérateur, n'est-ce pas Et que Yeshua dira maintenant le temps est accompli après les noces. Il va monter sur son cheval tout blanc. Et l'église également va monter. Chaque chrétien va monter sur son cheval. Et les anges, les archanges, tout le monde, allez, on descend. Frères et sœurs, Alléluia, gloire à Dieu. Et nous sommes dans Apocalypse 19. Alléluia. Et on nous dit que sur sa cuisse est écrit roi des rois et seigneur des seigneurs. Et les armes vont tirer sur nous, les armées de l'homme impie, n'est-ce pas, pour nous empêcher de descendre. Et les balles vont ricocher sur nous. Et nous vivrons l'accomplissement de psaume 91. Que mille tombent à ta gauche, dix mille à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Nous vivrons Esaïe 48, mes amis. Esaïe mes amis 54, 17. Tout temps forgé contre toi sera sans effet. 16 à 17, mes amis. Toute langue qui se lève contre toi je justice, tu la condamneras. Et là, on va redescendre, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Ouh, alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Et on nous dit que la bête, n'est-ce pas, l'homme impie sera pris. Alléluia. Et le faux prophète également, les deux bêtes. Alléluia. Et l'homme impie, impie, et le faux prophète, ils seront jetés dans les temps de feu. Alléluia, tout de suite, jetés là-dedans. Et les chefs militaires, mes amis, leur chair, sera, leur chair sera bectée par des oiseaux. Mes amis, ça va être terrible. Ça va être le festin de Dieu. Des Hallelujah! Yeshua, ses yeux sont rouge feu. Il va juger les nations, frères et sœurs, par l'Église et on va descendre, descendre, descendre. Et ses pieds vont se poser sur le banc des oliviers. On appelle, on l'appelle Yahweh. Et il est monté au ciel de la montagne des Olivier. Il redescendra sur terre, sur cette montagne, frères et sœurs. Et selon Romains 11, Paul dit, le libérateur viendra de Sion, n'est-ce pas Et il détournera Jacob de ses impiétés, de ses péchés. Frères et sœurs, tout Israël sera ainsi délivré, délivré, sauvé par le Mashiach. Et Zacharie 12 nous dit que les Hébreux verront la, les marques de clous. Et ils vont se repentir. Tout est le verra, nous dit un 1,7. Même ceux qui l'ont percé, mes amis, ça va être glorieux, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Église, tu n'es pas destinée à la grande tribulation. Église, tu es destinée à des tribulations, mes amis, qui peuvent parfois être plus dures que la grande tribulation. Mais la grande tribulation, c'est pour Israël, frères et sœurs. Oui, nous traversons des grandes tribulations pour être purifiés, nettoyés. Oui, frères et sœurs Yeshua nous purifie comme ça. Que Dieu soit béni pour son œuvre. Frère sœurs, soyez fortifiés, vous qui traversez les tribulations, soyez encouragés, mes amis, ça va être de plus en plus difficile, mais ne baissez pas les bras. On va nous insulter, on va nous critiquer, on va nous traiter de tous les noms, Satan, le diable, gourou, magicien, tout ce que vous voulez, toutes ces épithètes, frères et sœurs, ne doivent en aucun cas nous faire peur, nous alerter, nous troubler. C'est la Bible, nous passerons par là. Voilà. Yeshua a été traité d'imposteur, on sera traité d'imposteur. C'est la Bible qui le dit, frères et sœurs. C'est notre maître. Alors c'est le chemin étroit, passons par là et bénissons le Seigneur pour cette grâce. Mais la vérité... Personne ne peut la cacher, personne ne peut la détruire, personne ne peut l'étouffer, personne ne peut, mes amis, alléluia, empêcher le réveil de Dieu. Dieu a commencé son œuvre. Ce neuf se fera au nom de Yeshua. Je proclame que la France sera touchée. Les nations seront touchées, frères et sœurs. L'Église, mes amis, nous allons partir bientôt. La dernière trompette va retentir et les élus partiront, frères et sœurs. Abat le péché, abat la masturbation, abat la confusion. Au nom de Yeshua. Et nous brisons les langues, mes amis. De vie nous fermons la bouche des détracteurs au nom de Yeshua. Nous proclamons le réveil, au nom de Yeshua. Et que Dieu parle à son peuple sur leur couches. Que Dieu parle à ses enfants. Que, mes amis, les, les chaînes tombent. Au nom de Yeshua. Alléluia. Oh Alléluia. Et que le feu du réveil, oh Alléluia, prenne. Oh Alléluia. Jésus Christ. Oh Alléluia. Que le réveil vienne. Que le feu embrase nos maisons. Embrasse vos villes. Frères et sœurs, au nom de Yeshua. Oh Alléluia. Oh Alléluia, oh Alléluia, oh Alléluia, oh Alléluia, oh Alléluia, Jesus Christ, Alléluia, et que les guerriers se lèvent, et que les guerrières se lèvent, et que l'armée se lève, oh, oh Alléluia, gloire à Yeshua, gloire à Dieu, Dieu d'Israël, Dieu des armées, la confusion est dans le camp de l'ennemi Seigneur, oh Alléluia, 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 la victoire nous appartient, oh Alléluia, oh Alléluia, gloire à Yeshua, gloire à Dieu, au nom de Yeshua, nous proclamons la croix, nous proclamons la résurrection de Yeshua, nous proclamons sa résurrection et que les chrétiens se, se réveillent et que les enfants de Dieu se, se réveillent, soient ressuscités, frères et sœurs. Au nom de Yeshua, alléluia. Préparons-nous, sanctifions-nous. Au nom de Yeshua, Dieu est Dieu, Dieu est tout-puissant, Dieu est glorieux, Dieu est magnifique. Frères et sœurs, soyez fortifiés. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Si vous voulez nous appeler, vous pouvez le faire. Vous avez cinq minutes pour nous appeler. Si vous avez des questions à poser, frères et sœurs, gloire à Dieu. Oh, Dieu est magnifique. Nous n'avons jamais enseigné, mes amis, aux gens à manquer du respect aux femmes, aux hommes. Ce n'est pas notre enseignement, frères et sœurs. Nous sommes pour la famille, pour le respect de la parole de Dieu, pour le respect des frères et sœurs. On nous dit, Yeshua, Dieu est magnifique. Frère, la parole va arriver chez vous. L'évangile va toucher les cœurs. Le réveil que Dieu a suscité, mes amis, va de plus en plus toucher. Sortez, sortez de ces lieux, de ces tombeaux, de ces cimetières, sortez de ces endroits où l'on vous va la parole, sortez de ces endroits où on prêche la prospérité, sortez de ces endroits où l'on vous prêche, où l'on vous vend des livres, des ouvrages chrétiens, sortez de ces endroits où l'on vous va des bibles, frères et sœurs, c'est le temps, c'est le temps, c'est le temps, c'est le temps, c'est le temps. On le Yeshua, oh, de la sortie du péché, de la sortie de Babylone, de la sortie, mes amis, du joug des hommes, au nom de Yeshua. Nous ne présentons pas aux gens une église. Nous ne recommandons aucune église. Nous ne recommandons aucun, aucun, aucun serviteur, aucun ministère. Nous recommandons le royaume de Dieu. Nous recommandons Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Allô Allô, bonsoir. Oui Oui. En fait, euh, d'ailleurs, on, on s'est réunis avec des frères et sœurs, puis on priait, et on priait même pas. Mais finalement, en fait, il nous a, a touchés, il nous a vraiment parlé, il nous a averti que, que vraiment, il y, a, il y a un temps de persécution qui va arriver, en fait. Et que vraiment, c'est par, euh, par l'amour, en fait, que vraiment, les enfants de Dieu vont rester, en fait. Et que vraiment, vous devez demeurer dans cet amour, parce que le temps de persécution, en fait, il va tellement atterrir que c'est que l'amour, en fait, qui pourra nous pour nous tenir, en fait, dans les bras du Seigneur. Et vraiment, le Seigneur nous parlait par rapport à ça et c'est vraiment le temps qu'on veille, en fait, qu vraiment qu'on veille au retour du Seigneur parce que le Seigneur revient bientôt et ça va être vraiment être terrible, en fait, pour les enfants de Dieu. Ça va être vraiment, vraiment être terrible. Parce que le Seigneur, en fait, il nous montre des songes sur l'enlèvement ici et là et on reçoit vraiment que ça va être terrible, en fait, vraiment pour nous. Et c'est vraiment, en fait, pour nous encourager à vraiment rester auprès du Seigneur et à vraiment veiller pour ce sur ce vent de persécution qui arrive en France en fait. Ça va vraiment être terrible. Que Dieu nous garde en tout cas, Dieu est bon. Oui. Mm. Et euh, j'avais un autre aussi à partager euh, par rapport à ça. En fait, euh, j'avais reçu un songe où j'ai vu que y avait euh, l'Esprit du Seigneur en fait qui était sur euh, la terre et que vous étiez là en fait, mais que vous étiez au milieu. Et après que euh, le Seigneur, euh, tout le monde vous regardait, tout le monde vous regardait, tout le monde vous regardait. Et après le Seigneur, il, il a dit quoi Il a dit, bah, maintenant je prends mon fils. Et j'ai vu en fait la main du Seigneur vous prendre. Et, et après, il vous a pris avec vous. Et j'ai vu qu'il y en avait qui disaient, mais rôle-nous, comment on va faire sans lui Il contesta avec le Seigneur, en fait, il disait, mais pourquoi tu le prends Rende-nous, rôle-nous. Rend et il y en a d'autres, en fait, il y avait des petits coins de prière qui se tournaient autour de, de ceux qui disaient ça. Et j'ai vu qu'en fait, on priait, on priait, on priait, et c'est comme s'il y avait vu des paniers qui, qui descendaient du ciel et ont monté, en fait. On montait ceux qui sont restés en prêts et ceux qui contestaient avec le Seigneur, en fait, ils sont restés en bas. Ils sont vraiment restés en bas. Et je pense que le Seigneur vraiment nous interpelle à regarder uniquement à vie, en fait. Amen. Et non à la personne que vous êtes. Gloire à Dieu. C'est pour cela que nous disons que nous ne recommandons plus aucune église. Exactement que je ne suis pas pasteur d'une église ou pasteur de quelqu'un. Oui. Donc, euh, et, euh, et que je ne veux pas, on n'appelle pas forcément les âmes, pour, on veut vraiment être caché et crier. Oui. Donc, euh, beaucoup, malheureusement, veulent rater l'enlèvement, effectivement. À cause de ça, en fait, à cause de l'idolâtrie. Mmh. Vraiment, l'idolâtrie, ça va amener beaucoup de personnes à rater l'enlèvement. Malheureusement, malheureusement, c'est les cas où on nous a habitués dans nos églises. Hein, donc... Euh, euh, L'homme est malheureusement idolâtre, fonctionnement idolâtre. Il euh, s'attache facilement à, 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 à son semblable et à, à un système, et à un fonctionnement. Effectivement, chacun doit veiller. Pour, euh, on a vu Paul, on a voulu sacrifier des animaux pour les adorer, on les a carrément nommés Mercure, euh, Zeus. Paul et Barnabas et euh, ils ont dû déchirer leurs vêtements. Et euh, on a vu Jean qui voulait adorer un ange alors qu'il était déjà apôtre. Donc, euh, il faut vraiment que tout le monde veille effectivement et on ne veut pas mourir avant, on veut partir avec tous les frères et sœurs lors de l'enlèvement parce que nous croyons que nous sommes cette génération qui verra l'enlèvement. Oui. oui, oui. Voilà. Gloire à Dieu. Merci. Gloire à Dieu. C'est euh, très très important comme songe. Hein. Donc, le, on n'arrête pas depuis des années de dire frères et sœurs, nous ne sommes pas vos pasteurs. Nous ne sommes pas vos pasteurs. Et, euh, et depuis plus de trois ans, Dieu m'a dit de donner l'autonomie officiellement à toutes les assemblées. Et ce qui a été fait, c'est pour cela que aujourd'hui, quand un pasteur vous dit ou un prédicateur, je suis avec Chora on collabore ensemble, frères et sœurs, vérifiez parce que euh, on, on a vu des gens se servir de, de mon nom pour dire qu'on collabore avec lui pour commencer des églises ici et là, et euh, pour dire que voilà ce que ce frère enseigne, enseigne. Et les gens disent non, nous connaissons ce message. Tous nos messages sont sur Internet. Nous n'avons pas de message, 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 de message secret. Tout est sur Internet et on n'a rien à cacher. On a dit Yeshua. Sure. Dieu est bon, frères et sœurs. C'est pour ça que nous sommes prêts à aller devant les tribunaux pour aussi proclamer cette parole. D'ailleurs, on l'a fait, pour ceux qui nous connaissent depuis des années, hein, on a été dans plusieurs tribunaux ici en France, hein, pour, quand on nous a traînés devant les tribunaux, pour crier haut et fort parce qu'on n'a rien à cacher. Voilà. On n'a pas de villa à cacher. Et euh, on n'a pas de, de millions à cacher et on n'a pas de péché à cacher. On a des choix. Donc euh, Dieu est celui qui fait son œuvre. Voilà. Dieu est bon. Dieu est magnifique. On a des choix. D'ailleurs, depuis 2006, j'attends toujours qu'on m'amène l'enfant que j'aurais eu à, à, hors, du, hors, hors mariage. Et euh, on attend. Voilà. On va faire les tests ADN. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Oui. Mais bonsoir, en fait, c'est pour une question. D'accord. Donc en fait, euh, en fait il, y a, il, y a, il y a un passage dans Romain, Romain 9, euh, le verset 6, qui dit que ce n'est pas que la parole de Dieu soit devenue caduque, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas d'Israël. Mm -hmm. Donc en fait, bon, moi je comprends euh, à peu près le passage, bon, on sait aussi qu'il y a les enfants, euh, il euh, y a Isaac et Ismael, il y a la descendant de... de euh, en fait, en fait, nous, Église, est en fait, est-ce que ce passage-là nous nous concerne que euh, voilà, moi je ne sais pas si. En fait, en fait Paul parle, parle d'Israël de Dieu, donc il y a Israël spirituel, ouais, voilà. comme la Jérusalem céleste, et Israël physique, biologique. Donc, euh, Et souvent Paul avait ce, ce langage-là pour faire la différence. Donc, il y a Israël physique, donc ça il ne faut pas le nier, c'est là, ça, ça existe, il y a des promesses, des prophéties qui sont relatives à cette nation. Et il y a aussi Israël spirituel, donc l'église. C'est-à-dire, mais cette, cette église, bien sûr, n'a pas remplacé Israël physique. D'accord, ok. Donc, est-ce qu'on est est qu peut dire que, bon, nous, l'église, nous sommes euh, le peuple de Dieu aussi, parce qu'on sait que le peuple de Dieu, c'est Israël. Nous sommes aussi le peuple de Dieu, bien, bien sûr. Bien sûr. Mais, mais, mais il faut pas non plus euh, oublier aussi euh, Israël, je pense. Non, parce que là, c'est grave, justement. Euh, euh, on, on en parlera, je pense qu'un de ces jours, si Dieu permet, on fera un enseignement sur la doctrine du remplacement, comment ça a commencé, à, à, à quel moment ça a commencé. Ça fait beaucoup de dégâts parce qu'on attribue toutes les prophéties relatives à Israël à l'Église. Donc du coup, ben, c'est naturel quand le, euh, on attribue de telles prophéties à l'Église, de, de dire que l'Église va traverser la grande tribulation. Alors que si on fait la distinction, si on fait la part des choses, si on, on fait la, la distinction entre Israël physique et l'Église, on va comprendre qu'il y a des prophéties qui concernent Israël, notamment celles qui parlent de la grande tribulation, qui constitue cette période, un, un temps de purification pour Israël physique avant sa restauration, avant ce réveil. Et bien, quand on comprend les choses comme ça, on n'a on, on pas de difficulté pour, pour on, on va équilibrer. Voilà, il faut l'équilibre. que Dieu soit béni. Voilà frères et sœurs, donc demain 20h30 heure de Paris, nous allons continuer l'émission hein, donc euh, on verra, je pense qu'on va beaucoup parler de la prophétie biblique parce que c'est le temps et euh, pour nous préparer davantage et euh, voilà, donc ce soir, ça a été la grande révélation qui constitue une période relative à Israël et euh, voilà, donc que Dieu soit béni, que Dieu soit euh, euh, comment dire euh, béni dans nos cœurs et que le peuple du Seigneur ait les yeux ouverts, au nom de Yeshua. Il y a que les soldats qui sont déjà debout partout, soient davantage debout. Nous voyons vos mails hein, d'encouragement, nous voyons vos interventions ici et là. Croyez-moi, nous sommes fortifiés, encouragés et ensemble pour la défense de la saine doctrine. Au nom de Yeshua, ensemble pour la vérité, n'est-ce hein, pas Africains, Antillais, Européens, Asiatiques, euh, Blancs, Noirs, Jaunes, Marrons, peu importe nos origines, frères et sœurs. Et on est fiers, n'est-ce pas, d'être enfants de Dieu. Et c'est une grâce. Et nous sommes tous unis, main dans la main, pour la défense de la Sainte Doctrine au dit de chaud. Nous ne disons pas aux gens de quitter leurs assemblées pour aller dans d'autres ou pour venir chez nous. Ce n'est pas ça notre message. Quittez Babylone, quittez le péché, quittons le péché et allons tous devant le trône du Père, vers Dieu. Et priez entre vous, partagez la parole entre trois, quatre, cinq personnes, dix, quinze, je ne sais pas, chez vous, quand vous le faites, avec vos voisins, priez dans les parcs, dans vos maisons. Et ceux qui sont dans les locaux, nous ne disons pas que c'est un péché, nous disons que ceux qui veulent véritablement vivre la, la, la vérité doivent se préparer à être dans des petits groupes parce qu'on va de plus en plus obliger les gens à fédérer, n'est-ce pas, à être, être membres des fédérations d'hommes et, euh, et, et au vu de, de, de peur, hein, donc au vu de, de perdre leur euh, comment dire, licence, leur droit d'exercer. Euh, donc c'est pour cela qu'il faut vraiment, vraiment nous préparer dès aujourd'hui, frères et sœurs, au nom de Yeshua. C'est pour cela que nous-mêmes, en ce qui nous concerne, le 6, nous arrêtons les réunions, comme vous le savez, le 6 décembre, les réunions de réveil ici à Évry, pour pouvoir aller là où Dieu nous enverra. Partout où il nous enverra, c'est pour annoncer l'évangile du royaume, amener les gens à aller vers Dieu et non vers nous, ou encore moins dans les locaux des hommes. Que Dieu soit béni, frères et sœurs, croyez-moi, nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. Ceux qui nous connaissent depuis des années savent que nous sommes déterminés. À aller jusqu'au bout. Quoi que les gens fassent, quoi que les gens disent, nous continuerons dans le message, au nom de Yeshua, par la grâce de Dieu, grâce à son esprit. Et il y a beaucoup de jeunes qui sont debout, beaucoup de jeunes qui se lèvent ici et là, des jeunes qui se lèvent, qui disent Dieu nous a convaincus, Dieu nous a parlé, Dieu nous a sorti du péché, nous étions dans la masturbation, on est délivré de ce péché, on était dans le mensonge, dans la délinquance, Dieu nous a libérés. Il y a beaucoup d'ex-délinquants, frères et sœurs, qui sont touchés, comme des jeunes qui sont là, comme mon frère qui est là. Sébastien, des, des, des grands délinquants que le Seigneur a sauvés. Et, euh, et je crois que demain, on pourra aussi faire une émission euh, de témoignage hein, par rapport à euh, comment Dieu va faire les choses. Mais en tout cas, nous sommes dans la joie de voir l'œuvre que le Seigneur a accomplie. Merci à toute l'équipe de TVDV. Que Dieu vous garde. On dit Yeshua. À, à demain, 20h30 heure de Paris. Au revoir.